Bonjour tout le monde, c'est Captain Price, Nawak, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla, le DLC, la colère des druides, et ici on est à Drumleesh, je pense qu'on prononce comme ça. On est sur le point d'aller rencontrer Flan à Nokfri, puisqu'on l'a aidé, on a aidé les rois de toutes les régions, etc. Donc maintenant on va aller établir un plan de bataille avec lui à Nokfri. En ce qui concerne les comptoirs, je m'en suis s'occupé. Donc il manquait à chaque fois soit l'entrepôt, soit la tente de pierre, donc j'ai tout fait. Et il reste toujours celui-là, donc il faudra que j'aille jeter un coup d'œil, que je regarde. J'ai récupéré la tenue égyptienne, en avoir hasard, parce qu'à tout hasard, elle a toujours des choses dans ses coffres, dans ses coffres, oui. Mais pourquoi pas, tu veux des piles. Donc allez, on est parti, on va appeler, non pas le cheval, mais le lynx. Et c'est parti. Préparez-vous, nous allons partir. La dernière pièce est arrivée. Bienvenue, Eivor. Seigneur, cela ressemble à un campement de guerriers du Nord. Ils ont l'air très robustes. C'est le fruit de tes efforts, Eivor. Les rois que tu as aidés m'ont envoyé des hommes, entre autres. Tu as mes remerciements. Remercie-moi plus tard. La bataille s'annonce. C'est vrai. Ton cousin t'attend dans la tente de commandement. Je vais m'y rendre pour préparer notre prochaine action. Armée du Sud, Nouvelle Alliance. Voilà. Donc là, la suite, c'est position dans le Konak, je ne sais pas. Parler à Barid. Par où on monte? Allez, on va essayer de suivre Nel. On est sage. Eivor, regarde-moi. Membre du conseil de guerre de Flan. Pas mal pour un viking, non? Tu as gagné sa confiance? Je n'irai pas jusque-là, non. Il se méfie un peu de moi. Mais il a besoin de mon armée, alors disons qu'il se pince le nez. Il y a de quoi, après tout. Ça pue un viking. Mon roi? Nous sommes prêts à porter un grand coup à Elak. Mais nos ennemis sont alertés et seront alors plus nombreux. Le château de Cachelor sépare l'Ulster du Connacht. Sa prise les isolerait l'un de l'autre. Cachelor est le tremplin vers l'ensemble du Nord. C'est un fort imposant sur une colline pentue. Nous devons le prendre. Cependant, par sa situation même, sa prise nous coûtera cher, Seigneur. Les pertes sont un prix à payer. La victoire en ralliera bien d'autres à notre cause. Prends garde, roi, à ce que ton ambition n'étouffe pas ta raison. Que conseillerais-tu, Eivor? La ruse avant le courage. Faisons entrer un espion qui brisera les serrures des portes. Ensuite, nos soldats attaqueront. Cela est digne d'être tenté. Tu sembles avoir un penchant pour cette idée, Eivor. Je te désigne comme espionne.
Eivor ? Le défi me plaît. Nous avons une éclaireuse près du château. Elle pourra peut-être t'aider. Allez, va falloir s'infiltrer dans le château. J'ai fait l'effort de pas me téléporter cette fois, c'est un miracle. Allez, on va le laisser là. Non, il a mis la tête dans le mur. Ouais, tu peux pas monter plus haut ? Ah, quand même. Okay. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Oh, à mon avis, personne ne va être sous le pont. À mon avis. Pourrait résister au dieu. Cet endroit est très bien gardé. L'éclaireuse de Flan ? Tu prends des risques à poser ce genre de questions ici. Oui, c'est moi. Comment puis-je entrer dans le château ? Seul ? Tu peux essayer d'escalader les murs, mais en petit nombre, ce serait bien téméraire. Y a-t-il un moyen d'entrer sans être vu ? Il doit exister un chemin en dessous. Des gens ont renforcé les murailles. Un viking rusé pourrait se servir de ses outils pour trouver un passage. C'est moi, cette viking. C'est pas du tout prétentieux. Mais pas du tout. Ok. Yeah.
Alors, on va... Ouais, je m'avais vu, on s'est vu, nous sommes vus. Que vois-tu ici, Nin? On va faire le tour, on va voir. Par Freya, que cette contrée est verte. Alors, la madame, elle a dit qu'il y avait possibilité. Sois mes yeux. Si... Non, il faudrait juste que je monte là et puis que j'essaye de... Ah, j'arriverai pas là comme ça. Il faudrait que je passe dans les murailles en fait. Ah, mais monsieur, tu es sérieux? Derrière ça. Sans tuer personne, c'est impossible. Il va falloir éliminer un peu des gardes. Qu'est-ce que se passe, hein?
Il va falloir que j'élimine celui qui est là. À ouvrir la porte pour Flan. Et voilà. Bien joué, Eivor. Nous allons prendre Kashlor. Prendre le fort circulaire. Eivor, je te protège. Je l'espère bien, cousin. Flan, sur le côté. Sérieusement. Merci. Voilà la photo. Qui reste? Ah, il en reste un là-bas. Il est coincé, il est tombé à l'extérieur en fait. J'arrive, monsieur, j'arrive.
Le château est à toi. Alors, pillons-le! À la victoire! Arrière, vermine de moi! Je te tiens! Fils est à nos côtés! Mais ils ont pas fini d'être blessés, putain, on va pas s'en sortir comme ça. Merci. Encore ? Allez, il ne reste qui là? Il est où? Ah, encore quelqu'un de blessé. Mes remerciements, Ivor. Mais ils sont où? C'est bon? Ah. Strange, à une bataille bien menée et au sang versé. À l'Irlande. Skoll. Ah ! Une autre coupe, mon roi ? Prétesse de cour, ceci mérite un chant. Eivor, il est crucial que tu ailles lui parler. Kiara ? Elle est ici ? Je l'ai accueillie, oui. Elle bâtira ma gloire dans toute l'Irlande. Son chant sera repris dans tous les villages et les hameaux. Et toi, Eivor, de ton regard acéré, tu pourras lui donner les détails de ma bravoure, du courage de mes soldats, qu'elle en compose une ballade. Je lui transmettrai ton message, roi courageux. Barid, tu as mérité une autre coupe. Et toi aussi. Reviens boire avant que la nuit ne laisse sa place au matin. Ah ben. Allez, vous trouvez la madame. Montre-moi cette terre, mon ami. Ok. Bon. Alors il est venu à moi. Des yeux brillants comme ceux d'un. Ah! C'est vrai. Je l'ai vu moi aussi.
Tu chantes avec ferveur. Et pierre que tu as vue lors du couronnement. La pierre. Elle a semblé... Enfin... Selon la légende, cette pierre apporte le malheur. Mais le chant dit que si l'Irlande est en danger, la pierre déclenchera une tempête de merveilles. Et d'où ce chant tient-il un tel savoir ? Je n'en sais rien, mais ma mère le chantait elle aussi. Et sa mère avant elle, sa grand-mère, et ainsi de suite. Jusqu'à la toute première femme de cette île. Le son des mots lui-même me relie à mes ancêtres et à cette terre fertile. Tu as de la chance. Moi, j'ai laissé ma contrée derrière moi. Il n'est pas besoin de partir pour sentir la terre changer sous ses pieds. C'est pourquoi je suis liée à cette cour, comme une chèvre savante. Tu peux, j'imagine, la quitter quand bon te semble. Je peux, oui. Et je le ferai. Mais pas avant que Flann ne règne sur l'Irlande. C'est vraiment un si grand homme. Il a compris que régner, c'est être le roi de tous. Je suis païenne, mais il m'a faite poétesse de cour. Il respecte les usages du passé. J'admire ta passion. Je t'en remercie. Tout le monde n'est pas aussi admiratif. J'aimerais te connaître davantage. Tu as un but dans la vie. Pourquoi as-tu autant foi en Flann ? Tu as l'air d'avoir choisi un cap et de t'y tenir. Je viens d'un lieu reculé. Nous y vivons comme autrefois. Les chrétiens s'inquiètent du monde à venir. Nous, nous vivons dans celui d'aujourd'hui. Ah, j'ai failli oublier. Flann te rappelle de commencer sa balade. Il n'a pas à s'en faire. Je n'oublie pas ma fonction. Si elle est aussi glorieuse que ce chant était beau, elle rapportera à Flann de nombreux partisans. Bonne nuit, Eivor. Nous nous reverrons demain matin. Slan. Bonne nuit, Kiara. Et voilà. Barid m'avait demandé de retourner le voir hier soir. Je dois aller m'excuser. Ok, alors on va garder ça pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, les amis. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous, etc. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt et salut.